Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4, de nouveau en guerre, cette fois contre, je me rappelle plus du nom du pays, Württemberg. Alors là, il y a une grosse bataille auquel on va arriver un peu trop tard, malheureusement. Ouais, je sais pas si... Alors, on devrait pouvoir la gagner avec ce qu'on a ramené, mais... Ouais, ils ont abandonné le combat, je crois, plutôt qu'autre chose, hein. Parce que c'était pas... Pas gagné d'avance, mais enfin bon, c'est parfait. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est déjà sortir Palatina. Ça va être fait tout de suite d'ailleurs, puisqu'ils n'auront plus aucune troupe. Par contre, pourquoi Hambourg me propose tout de suite? On a réussi un seul jet de dés depuis un an que la guerre est commencée, minimum. C'est quand même un poil frustrant cette situation. Palatina, j'aimerais bien libérer encore des pays du coup. Ouais, ça c'est parfait, on va leur demander de l'argent et des réparations de guerre. Parfait. Je vais être riche, hein. Je vais tout de suite dépenser un petit peu. C'est surtout les ateliers là en ce moment qui me rapportent bien parce qu'on vient d'acquérir le niveau 2 et j'ai encore beaucoup là. J'ai 35, 72, 57, c'est énorme honnêtement. 34, bon après 21 c'est un peu moins. 41. 63, il y a sûrement encore d'autres chiffres que je vois pas, hein, mais 44, voilà. Ouais, je viens de construire 2, 4, 6, 7 bâtiments qui me rapportent minimum, on va dire 40, 45. Donc je vais me faire, grosso modo, minimum 3 ducats de plus. Donc c'est plus que rentable cette affaire, je pense. Alors là, je sais plus comment faire, hein. Je pourrais rajouter de l'artillerie. On va faire ça. Là, faut que je surveille. J'ai un leader, donc il peut pas trop me prendre en surprise, par surprise. Putain, il est impossible ce siège, sérieux. On va leur régler leur compte à eux. Là, je vais prendre toute mon artillerie. En espérant que ça aide. Ah, ça aide bien, on a gagné 2 niveaux. J'aimerais bien aussi racheter un leader un peu plus performant. Oh putain. Ouais, mais après, si on fait des 3 OD, c'est sûr que c'est pas possible. C'est juste impossible en fait de gagner. Je vais reprendre un leader. J'aurais bien aimé avoir peut-être 5 ou 6 de tradition en plus. Il va où ce con? On va se regrouper parce que... Merde, il va là. Ouais, il peut pas gagner, hein. Je sais pas combien il y a d'alliés, mais la Pologne, ils sont... Il peut pas gagner cette bataille. Je sais même pas si c'est une attaque suicide. Ah, quand je vois comment on est blindé là. On a plus de morale. Ouais, c'était un peu une attaque suicide là. Je vais prendre un nouveau leader. Ou alors, est-ce que j'ai pas assez pour un niveau 40? Un général de 40 de tradition. Là, j'en ai un 55, mais je crois qu'en fait, ça marche. Vraiment, au moins, il est gratuit. C'est sûr que c'est un avantage. 20 d'influence, ce serait pas trop dommageable. On est à 43. Allez, croisons les doigts. Ah, un point. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? 49. On va y arriver, hein. Si je pouvais faire un petit 14 là. 13. C'est quasiment ce que j'avais demandé. Sauf qu'il faudra en aligner quelques-uns comme ça, je crois. Allez, encore un autre. Oui. Oh merde. J'espère que je vais être là à temps. Prochain siège, ce sera Ferrare. Moi, je serai là à temps. Hein. En plus, les Polonais ont un général niveau 3. Chose que j'avais pas vue. Donc, c'est d'autant plus
plus facile. Bon, moins 7 finalement. Avec 75 000 troupes dessus, on arrive à quelque chose, hein. C'est juste qu'il faut mettre le paquet, quoi. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est que les Polonais sont partis. Donc on va faire siège après siège, on va pas aller trop. Ah non, ils sont là, merde. Bon, c'est bon, je les laisse se débrouiller. Il devrait y arriver. 21, j'ai encore dû faire un. Ouais, c'est bien, ça avance. Hambourg, c'est le siège de. De quelle institution déjà? Presse. Oui, c'est ça, presse à imprimer. Donc ça m'en fera une de plus. Pour ça, honnêtement, je m'en fous. On va prendre les droits de douane. Ah, parfait. Ça fait longtemps que je veux Hambourg. À mon avis, c'est une très grosse province. En plus, ils sont riches. Ouais, c'est une province 37. Hein. Alors maintenant, est-ce que je déclare la paix? Est-ce que je demande la paix? Parce qu'honnêtement, on est plutôt bien. Déjà, trois provinces, ça génère pas mal d'expansion agressive. Donc je me dis que... Ah bah non, mais de toute façon, c'est même pas la peine d'y penser. On va reprendre les sièges. Mais par exemple, sur là, je suis sûr qu'on peut encore obtenir au moins 1000 ducats. Parce que tout ça, c'est des provinces super riches. Des cités-états. Qui s'en mettent plein les poches. Et du coup, c'est bon de leur soutirer de temps en temps. Ah merde, j'ai pas construit le bon bâtiment, en fait, là. Je voulais partir sur les ateliers, je suis parti sur les temples. C'est où? 76, là. Ok, merci Hambourg qui a financé tous ces bâtiments. Les clercs, ils ont besoin. Ah, c'est déjà fait, Marienbourg. La Frise. Ok. Bon, alors du coup, je pense qu'à part avoir des paix séparées pour décourager quelques pays, on n'est pas prêt d'avoir une paix. Ouais, Holstein s'il veut. Je pourrais peut-être aussi les décourager, les faire quitter la ligue commerciale. Ce sera peut-être une chose de plus à demander à Lübeck, par exemple. Je sais pas si ça peut se demander, ça. Enfin bon, je dis demander à Lübeck si j'y arrive, hein. Je suis quand même relativement loin. Voilà, 7 et 7. J'ai dû faire des bons scores, ouais. Ah, si je pouvais encore soutirer de l'argent à Lübeck, par exemple. Ah, ça se précise. Là, il y a une guerre. 14, ouais, on y est presque. 28 et 14, c'est pareil, on y est presque. Bon, ça, on s'en fout un peu, j'avoue. Honnêtement, ces deux sièges-là, finalement, ont été assez rapides, je trouve. J'ai vraiment pas à me plaindre. Autant Hambourg avait été très long, autant celui-là, je trouve qu'il a été express. Il a 4000 ducats, j'en étais sûr. On va pas leur faire annuler les traités, on s'en fout. On va prendre les 4000 ducats, surtout. Alors, on touche pas les 4000, mais honnêtement, les 1300 reviennent sans doute à la Pologne, mais je m'en fous, hein, tant mieux pour eux. Moi, ça a aucune importance. Si j'enrichis mes alliés... Tant que je prends plus que, honnêtement, là c'est du 46, 61. Ah, ça va se sentir dans mes revenus, hein. Je pense que... Là on va commencer à avoir, tiens, 58, j'ai pas fait. C'est pas fini, hein. Alors je pense que Brême est moins riche.
C'est pas une république marchande. Voilà, c'est une ville libre, je sais pas, on va voir. Mais je pense qu'ils sont moins riches. On sera très vite fixé, ceci dit. J'ai l'impression. Raté encore. Bon. Les pontificaux, on va voir si on peut pas avoir une paix séparée aussi, a priori, ça se précise. Évidemment, ils seront beaucoup moins riches que Lübeck, par exemple, ça c'est clair. Je crois que j'avais jamais demandé autant d'argent à un pays, honnêtement. Ouais, parfait. Alors on va voir jusqu'à quel point ils sont riches. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est pas du tout la même chose que Lübeck, qui est une république marchande. Bon, ceci dit, hein, je vais pas non plus. Je vais pas non plus faire la tête, c'est pas mal. Alors, Nassau, Cologne, mais peut-être qu'ils vont finir par céder. Ouais. On va tout leur prendre. Et c'est parti. Bon, honnêtement, je suis particulièrement ravi de cette guerre quand même. J'ai eu les trois territoires que je visais. Et en plus, j'en ai tiré une somme d'argent assez folle qui m'a permis de faire un grand nombre de bâtiments. Ok, bon, on est bien là. J'ai envie de m'attaquer maintenant à Kilwa en fait. Pour continuer à avancer vers l'Asie, il faut que j'avance par étapes. Et Kilwa a pas d'alliés. Alors faut que je me méfie, hein. C'est pas non plus le premier venu. Mais alors j'ai eu de nombreuses surprises dans mes guerres comme ça en attaquant l'Asie, la côte est de l'Asie. Ne serait-ce que par exemple avec les. Je crois que c'est avec les Ottomans où j'avais eu mille et une difficultés. Ou non, peut-être pas les Ottomans, la Bretagne plutôt, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, ils ont 38 000 hommes. Technologiquement, ils ont pas beaucoup de retard. 21. À 24 quand même, hein. Ils sont pas terribles. Bon, on va ramener 25 000 hommes de plus. On va oublier les guerres pour l'instant en Europe parce que. Faut pas non plus que je cumule une expansion agressive trop élevée. On va en profiter pour mettre la maintenance à zéro, désactiver les forts. On va envoyer balader Meiningen. On envoyait déjà balader l'Autriche, donc on va pas changer les bonnes habitudes. Ah, je suis content d'avoir pris cette province-là, hein. Terre arable, culture westphalienne, donc culture accepté. Particulièrement bon. J'ai pris Anbar, Franconien, Swab. D'accord, donc ça n'a pas trop d'impact. Bon, on va faire cette petite pause. Alors, qu'est-ce que ça donne la Pologne là? Palatinat. Nous ne pouvons pas déclarer la guerre avec lequel nous sommes alliés. Faut d'abord rompre cette alliance. Alors, si leur souverain meurt sans héritier légitime, la revendication de ce trône permettra une union personnelle. Mais s'il y a un autre prétendant, nous risquons de nous retrouver au cœur d'une guerre de succession. Cette action va affaiblir nos relations avec tous les pays auxquels nous avons contracté un. Honnêtement, je sais que ça va l'affaiblir un peu, mais je pense que je peux survivre à ça. Là, on est plutôt pas mal. Alors, il y avait aussi. Aragon, bah, Aragon n'est pas terrible, mais de l'autre côté, on n'a absolument pas amélioré nos relations avec eux. Eux, on peut faire ça, fabriquer une revendication. J'ai envie de le faire quand même. Ils vont pas trop aimer, je pense. Il a quel âge le roi actuel là? Putain, il a 18 ans, hein. Mais s'il meurt sans héritier, là, il y aura une union personnelle quoi qu'il arrive, sauf peut-être que ce sera avec Palatina. À la mort du souverain, guerre de succession entre Scandinavie et France. France? Quel rapport avec la France?
Je sais pas ce que c'est que cette famille, les Uniadi là, mais. Quel est le rapport avec la France? Pourquoi une guerre de succession avec la France? Bon. S'il faut faire une guerre avec la France, on la fera, je pense. Ça restera intéressant. Mais je vais pas chercher spécialement à réclamer le trône. Déjà, j'ai la Bourgogne à intégrer. Ça risque d'être difficile. Alors, on est combien là? On approche des 10%. Alors, je suis impatient de voir le prix, mais à mon avis, ça va coûter cher. Ceci dit, je devrais avoir assez d'argent quand même. Je suis riche. Guerre de succession entre la France. Ça m'intéresse quand même, ça. J'ai combien de limites maintenant? Je vais tout de suite me faire une armée de plus. Des réguliers, je pense que j'ai une bonne réserve. Maintenant, j'ai 150 000, 180 000 même. Là, je vais me faire 10 légers de plus. Alors, si je fais le point sur les institutions, hein, il me semble que j'en ai 3 maintenant. J'ai... Alors, je sais pas Florence, hein, évidemment, c'est trop tôt. J'ai les Asturies. J'ai Hambourg. J'ai Lübeck. Ah merde, j'ai pas Lübeck. Ah mais j'en ai zéro, j'en ai pas chez moi en fait, d'accord. Donc j'en ai 2 et j'ai Lübeck en objectif qui sera une simple... Ah mais si, Lübeck, c'est chez moi, bordel. Ça fait bien longtemps que j'ai conquis Lübeck. En fait, quand il dit Lübeck, il parle de la province, pas du pays. Donc j'en ai bien 3 sur les 6. Donc on est pas si mal, hein. Je trouve. 3 sur 6. Allez, là c'est parti. On va quand même attendre le temps de mettre la revendication au maximum. Ouais, je peux embarquer. Alors, je m'attends pas à une guerre quand même super facile. Mais par contre, il y a des choses à gagner. Entre autres, ce que je visais évidemment, c'est l'ivoire. Parce que le but, c'est d'avoir 20% du commerce de l'ivoire pour gagner 2 points de... Il me semble que c'est 2 points, hein, de réputation diplomatique. Ce qui facilitera d'autant l'intégration de la Bourgogne. Alors, malheureusement, pour l'instant... Si, j'ai quand même quelques provinces d'ivoire, déjà. Il faudrait que je fasse le point sur... Ça va être important pour avoir une chance vraiment importante d'intégrer. Putain, je suis qu'à 5. Alors en fait, ouais, c'est pas terrible 5. On va définitivement construire les bâtiments pour améliorer la production. J'hésite. Peut-être que c'est un peu tôt. On n'est pas si pressé que ça. Je préfère prendre mon temps. Putain, je fais trop de points là en fait. Non, je déconne, on fait jamais trop de points, mais. C'est vrai que j'en ai quand même beaucoup à dépenser. 900. On va passer à la deuxième page, grosso modo. Oldenburg, c'est fait. Merde, je suis trop haut. Ok. Juste une petite province administrative, histoire de... Parfait. Allez, c'est parti, je sais pas où est ma flotte, elle arrive. Donc on va plutôt s'attaquer au centre là, puisque c'est là qu'il y a le gros paquet d'ivoire et c'est ça qu'il me faut. Oui, alors non, en fait j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut que je m'attaque à la capitale. Oui, rectification. Ouais, c'est la capitale. Ah, c'est des guerres impérialistes. Même si après on descend vers le sud, il faut quand même que je commence par la capitale.
quoi qu'il en soit. C'est bon, on est chaud là. Je sais pas, ils en mettent du temps. Kilwa, déclarer la guerre. Ils ont toujours pas d'alliés. Honnêtement, je pense que ce sera bon. Je trouve que finalement, ils ont pas mal de retard technologique. Ils m'ont pas habitué à avoir autant de retard. 3, je trouve ça beaucoup. 3 niveaux militaires de retard, ça veut dire quand même une sacrée différence dans les troupes. On va rester là pour l'instant. Alors tout ça, faut pas que je crée les états, hein. Mais par contre là, oui, j'en ai quand même quelques-uns à créer. Je devrais pas faire comme ça, honnêtement, c'est n'importe quoi. Alors on va regarder là. Ouais, voilà. Je crois qu'on aura une réponse plus simple comme ça. Pourquoi on peut pas là? Ah, j'ai pas fini de légitimer. Ok, là-bas c'est créé. D'accord, donc maintenant on va. Ah oui, tout ça, ça me fait des revenus en plus parce que ça me fait de l'autonomie. L'autonomie qui descend. C'est pas génial d'avoir attendu. Alors je regarde quand même l'ivoire là, mais. Il me semble qu'en haut il y a moins d'ivoire. Oh non, même pas en fait. Il y en a 3, là je peux en prendre 4. Il y a que la côte qui m'intéresse, hein, bien sûr, puisque le but c'est d'avoir aussi la zone commerciale, la compagnie commerciale. Donc on va uniquement s'intéresser aux côtes. Ok, ça c'est bon. Là on va remonter vite fait. A priori, il n'a pas l'air chaud pour sortir ses armées. Je pense qu'il a un peu peur. Donc tant mieux. Mais ça veut pas dire qu'on va pas le voir. Hein. Faut que je me méfie. Ah merde, j'ai loupé une province là. Je pense qu'il n'y a pas d'armée au nord. Donc on peut se diviser. Là, je vais aller faire le blocus. Je vois qu'on est à moins 14. Ça va être très rapide. Ouais, on se retrouve à 7. Je pense qu'elle va être pas mal cette guerre. Hein. Faut vraiment que. Faut à tout prix que j'améliore mes stats. Ah, il est obligé de passer par là, il peut pas passer par les terres sauvages là. Ah oh, putain. Non. Bon, bah, il est obligé de repasser par le navire donc. Je vais le laisser repasser par le navire. C'est pas vraiment l'idéal mais. Je trouve que le siège sera fini avant. Peut-être pas. Non, je pense qu'on aura fini. Tiens, voilà la Bourgogne, toujours très active finalement. Ce qui me surprendra toujours. Parce que là, ils viennent avec 16 000 hommes. Et merde, raté. Bon, bah, on continue. J'attends de toujours voir sa première armée. Bon, je suis pas super pressé non plus, mais. Je me demande quand même. Je me demande un peu où elle est. Bon, je pense qu'on va faire. On va faire la paix dans un premier temps. Après, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher. Oula, on va payer, bien sûr. Ça va le voilà avec sa première armée, mais on va voir si on peut pas signer une première paix. Et merde, j'ai encore trop de points, je vais jamais y arriver. On va encore descendre en dessous de 900, quoi, mais j'avoue, je commence un peu à en avoir marre. Il faudrait absolument que je prenne ma doctrine, ma. J'ai oublié le nom, mais enfin, vous savez de quoi je parle. Non, mon institution, voilà.
sont ok et ok. Alors on va décider si ça nous convient. Ah, il nous donne déjà beaucoup. Hein. Il est riche, ouais, pas tant que ça. Ça nous fait pas énormément d'expansion agressive, je trouve, donc on va y aller. Ouais, c'est que dalle. Hein. Ouais, parfait. Honnêtement, j'avais peur de cette guerre, je sais pas pourquoi, j'en gardais un mauvais souvenir de Killua. Mais là, c'est quand même la super bonne affaire. Beaucoup d'ivoire. Donc c'est parfait. Là, on pourrait... Oh la putain, je savais que ce serait cher. C'est la dernière, hein. Donc évidemment, c'est la plus chère. Bon, on va économiser. Et ce que je vais surtout faire, là, c'est m'arrêter là. Vous donner rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play.